Salut à tous et bienvenue dans ce mardi, c'est Synth Rider. Voilà, on continue. Voilà, un petit coucou à Jim dans les coulisses. Et puis, aujourd'hui, je sais qu'il y a les habituels, il y en a plusieurs qui ne sont pas disponibles, donc on va démarrer avec des customs. Si jamais, y en a qui veulent jouer en multi, je vais créer, de toute façon, si jamais je créerai un multi, et puis bah, vous me rejoindrez comme d'habitude pour ceux qui veulent jouer. Voilà, là, j'ai mis à jour tous mes customs. Rembrasser un petit peu les maps, les avatars, etc. Mis à jour un peu tout ça, parce qu'il faut le faire régulièrement. Et j'ai même créé une playlist, alors on regardera sur le Discord, hein. Je pense qu'il y a un moyen de créer des playlists très facilement, très sympa. Et on pourra se partager des playlists, comme ça, dans la rubrique Synth Rider, hein, que vous trouvez dans Bouche ta verre, sur le Discord. Donc on verra comment on peut faire pour s'échanger des playlists, puisqu'il y a tellement de musique, hein, 1800, c'est marqué je crois 1938, ou je sais plus combien, de chansons disponibles aujourd'hui en custom, plus celles d'origine. Donc voilà, on va repasser vite fait, comme d'habitude, hop, dans la salle de sport, pour les petites infos techniques du jeu. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas le jeu, posez vos questions comme d'habitude, hein, je me répète, mais c'est important. Voilà, si vous avez des doutes, vous connaissez pas le jeu, ou si vous avez des doutes sur quelque chose, n'hésitez pas à poser vos questions. En tout cas, on fera au mieux pour y répondre, moi et d'autres, si jamais, puisque je ne suis pas le seul à connaître le jeu. Ensuite, eh ben, on va passer dans le jeu, tout simplement, si tout va bien, on va enchaîner. Alors, je passe dans le jeu. On y est, voilà. Voilà, ça c'est fait. Je mets mes fenêtres, comme d'habitude, là, c'est disponible. Voilà. Donc, j'ai mis des nouveaux avatars aussi, je vais tester tout à l'heure. Alors, bon, j'ai ma fenêtre pile devant, mais c'est pas grave, on va faire avec. Décor, on va mettre aléatoire, parce que j'ai enlevé le décor que j'aimais pas, là, tout bleu, et j'ai modifié et rajouté des nouveaux décors. Donc comme c'est aléatoire, bah, on verra sur quoi on va tomber. Je vais m'échauffer avec bah, les customs. Donc comme j'ai fait une nouvelle. J'ai fait la Raptor qui est complète cette fois, il y a 25 musiques normalement. Bon, théoriquement, il devait y avoir tout à voir ces musiques. Donc elle est disponible, vous pouvez la télécharger et l'installer, comme ça vous avez toutes ces musiques automatiquement. Ouais, évidemment, il faut les télécharger sur le logiciel, enfin les mettre à jour. Mais ça vous donne la liste des jeux, des musiques en fait, de Raptor. Donc là, normalement, il y a toute sa collection que j'ai créée sur vous avez le lien dans le Discord, ou alors je l'ai créé carrément, je l'ai mis à disposition publique sur le site donc, que j'ai mis dans la chaîne, hein, Synth Riders. Voilà, vous avez le site dans le nom de la vidéo, si jamais, pour retrouver bah, comment pour les customs, avec la petite application, tout ça qu'ils ont mis à jour récemment. Donc, pas mal de petites adaptations qui sont plutôt bien. J'ai tout mis à jour moi de mon côté, maintenant tout est ok, normalement. Et je resterai à jour comme ça en cliquant simplement sur un bouton. Et ça mettra à jour toutes les images, enfin toutes les photos, toutes les musiques. Voilà. Parce qu'il y a aussi il y a les maps. Donc les maps pour les musiques. Il y a les décors. Et il y a les avatars. Donc voilà, tout ça peut être customisé. Voilà. Ça, c'était la playlist de Sona. Et on peut en créer à volonté là. Hop. Et les faire aussi aller en chercher sur le site. Donc je vais voir petit à petit aller faire des recherches pour que les prochaines fois on ait des choses un peu plus... voilà, créer une playlist en fait sur un thème. Et par exemple très sportif, tranquille, etc. Enfin peu importe. Et comme ça on a des musiques parce qu'il y en a tellement que c'est très compliqué aujourd'hui de trouver des musiques à partir. Là on va explorer un petit peu aujourd'hui. On va explorer un petit peu les customs, les dernières. Si vous voulez venir jouer, envoyez-moi un petit message dans le chat. Je fais un serveur. Et on peut jouer ensemble, il n'y a aucun problème. Mais en attendant, comme je sais que certains seront absents, on sera un peu moins, mais n'hésitez pas. Vraiment, si vous voulez jouer en multi, venez volontiers. Ça sera avec grand plaisir. Alors, je vais juste remettre ma... Je vais mettre ici. Voilà. Je crois que mon chat, je ne sais jamais où le mettre. À chaque fois, je trouve un endroit, il me dérange. Il finit toujours par me déranger. Il me coupe la visibilité. Alors, hop vivement les jeux qu'ils aient tous un chat intégré comme certains le font. Ça sera top.
Qu'est-ce que je voulais regarder? Alors là, on est sur les nouveaux, les custom. Je vais mettre à jour avec le moteur de recherche qui est intégré là. On va prendre les nouvelles, bah, tout simplement. Voilà. Et ça, c'est toutes les dernières qui ont été rajoutées. Alors, je sais pas à partir de quand je les avais. On va aller explorer un petit peu les custom et bah, se faire plaisir. Voilà, faire des petites musiques sympas. Sachant que, je le répète, les custom fonctionnent. Si vous avez les mêmes, on peut jouer en multi. Donc ça, c'est assez magique. Donc si vous êtes à jour ou si on a les mêmes, eh ben, ça permet de jouer sur les, en multijoueur sur les custom. Sans aucun problème. On regarde un petit peu. Donc souvent, les custom ont un niveau très élevé. Hein, c'est rare qu'on... Il y en a, hein, mais il y a un filtre d'ailleurs, pour ceux qui veulent... Mais ça limite, disons que sur la majorité des musiques, vous allez avoir plutôt du expert et du master, du maître. Donc, c'est vrai qu'ils ont... Les faciles, normales, difficiles, il y en a, mais voilà, ça limite vachement. Ah, typiquement, là, il y a une normale, de temps en temps, ça arrive. Là, par exemple, vous n'avez pas le choix, hein, maître. C'est le plus petit niveau. Donc, voilà. C'est un peu... Voilà. Ah, c'est pas grave, mais... Tiens, on va faire un petit Excession qui fait aussi des maps très sympas. Dans l'esprit Raptor. Que je salue au passage. S'il passe par là. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à aller le voir aussi, il fait régulièrement sur sa chaîne. Il fait des super, super maps, donc on en fera de toute façon. Je vais en refaire. Chez moi, c'est devenu récurrent. Les Raptors, c'est une référence. Et voilà, parce qu'il fait des maps superbes avec des musiques sympas. Et parce que les musiques, c'est pas eux qui les créent, hein, forcément. Ils utilisent des musiques qui existent, mais ils font les maps dessus. Et puis, bah, déjà, le choix des musiques, hein, il y a déjà un critère. Et après, il y a un style. Et après, il y a les maps qu'ils font dessus, qui sont. Bah, voilà, de, y a, ça varie, hein, donc. Selon ce qu'on aime. Et Raptor a un niveau assez élevé, donc c'est un challenge à chaque fois, mais bon, c'est comme ça qu'on progresse. Mais elles sont très physiques, et comme moi, l'objectif c'est aussi de bouger, ça me convient tout à fait, même si je souffre. Après, on peut aussi faire des recherches par nom, ici. Donc si vous cherchez une musique particulière, si elle est disponible, hein, parce que malgré le fait qu'il y ait beaucoup de musique, il n'y a pas tout non plus. Ça se met à jour régulièrement, donc tout va dépendre de selon la tendance des gens qui font les maps. Mais c'est vrai qu'on ne trouve pas non plus tout ce qui existe. Il y a du choix, mais pas tout. Pas encore. Ça viendra avec le temps. Ça, là, elle fait combien? 5 minutes. Alors, on va choisir une quand même. Allez, je prends la celle-là, puis voilà. C'est parti. C'est une des toutes dernières qui a été ajoutée. On va voir. Surprise pour le décor, c'est aléatoire. Donc ça change à chaque fois. Et j'ai mis des nouveaux décors que je ne connais pas du tout. Allez, on va se chauffer doucement. Never.
Ça va, c'est gentil pour démarrer. On se réchauffer un peu. C'est bien pour s'échauffer. Bon, c'est pas mieux que j'ai fait, mais pour s'échauffer, ça va. Tranquille. Ok. Un petit check là. Oh, c'est compliqué avec ça. Voilà. Ah. Ok. On va faire comme ça. Ah, c'est bien, je suis classé 4ème mondial sur 5. C'est bien. Non, mais elle vient de sortir la musique, donc. Enfin, ils viennent de l'ajouter dans, la liste, donc c'est normal. C'est marrant. Alors. On explore. Il y a tellement de musique. Le problème, c'est ça. Hein, c'est. On est arrivé à un stade où même avec des filtres, etc., c'est compliqué. Alors après, si on a une idée précise, on peut. Mais... Donc si jamais pour information, dans la description enfin de la chaîne, hein, vous avez toutes les infos, j'ai mis un truc replay. Donc si vous cliquez dessus, ça vous emmène directement sur ma chaîne secondaire YouTube. Et vous aurez tous les replays de Bouge ta VR, entre autres. Hein, mais pas que, mais plein d'autres. Et pour pas avoir la coupure... Parce que si vous les regardez en replay un jour, pour les musiques, etc. Là, vous les avez intégrales, parce que les replays sur Twitch, en général, c'est coupé. Coucou Ocellus, comment vas-tu? Désolé pour hier, t'as pas eu le Ragna. Ceci dit, il est en promo en ce moment. Quoique, pas sur Quest, pardon. Ils ont fait une promo, mais sur Steam. Pas de bol. Alors... Ah ouais, c'est marrant celle-là. Ah, je me doutais que t'allais dire ça. Franchement, moi je m'en accommode très bien. Après, je sais pas comment tu règles tes trucs. Moi je joue pas forcément en... Le truc c'est que moi je joue sur Quest en autonome particulièrement. Et pas trop en PC. Le Quest me sert vraiment d'autonome et je regarde mon Rift pour le PC. Donc du coup, j'utilise les... Ouais, voilà. Moi, je l'utilise qu'en natif, quasiment. Je stream toujours avec le Rift. Parce que je trouve que le Quest, il fait vraiment, pour l'instant, est un casque d'abord autonome et après PC. J'attends le prochain casque pour avoir une version PC. Mais ça fonctionne, hein. Mais voilà.
perso, je trouve qu'il y a encore des trucs. Mais en autonome, c'est top. Enfin, franchement. Alors. Il faut être dans les bonnes conditions, évidemment. Comme là, par exemple, moi, j'ai un éclairage pour le stream. Et parfois, ça peut déranger parce que c'est des lumières, c'est des caméras. Donc, il faut savoir que ces caméras-là, elles ont une certaine sensibilité à la lumière, que ce soit trop sombre ou trop éclairé. Donc, si on joue dans des conditions un peu extrêmes, dans un sens comme dans l'autre, ça peut perturber le tracking. Donc, c'est important d'avoir une luminosité normale, plus ou moins correcte, où vous jouez, que ce soit pour le Quest, le Rift ou d'autres. Tous ceux qui fonctionnent avec des caméras, d'ailleurs, hein, c'est valable pour les autres les autres appareils, puisqu'il n'y a pas que... Hey, coucou Raptor! Eh ouais, on danse! Tu vois, j'ai refait une playlist, je l'ai mise sur le site. Une playlist qui s'appelle Raptor. Je l'ai créé sur le site Saint Riders. Alors allez, on va essayer celle-là. Ça me fait. On va voir comment elle est mappée par rapport à la musique. C'est. Là, nouveau décor au hasard. Attention. Ok, d'accord. Et comment tu vas, mon Raptor? Est-ce que tu as la forme? Qui dit études dit travail, qui dit taf te dit les thunes, qui dit argent dit dépenses, qui dit. Est-ce que tu nous prépares une nouvelle rap de torture, une map de torture? Est-ce que tu es sur un autre. Fatigue dit réveil, encore sourd de la veille. Alors on sort pour oublier tous les problèmes. Alors on danse. 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 Ah, j'ai vu au dernier moment. Elle est assez technique quand même, hein. On pourrait dire que la musique fait que, mais non. Alors on danse. Et là tu dis que c'est fini, car pire que ça, ce serait la mort. Quand tu crois enfin que tu t'en sors, quand y'en a plus, eh ben y'en a encore. Et cela c'est tous les problèmes ou bien la musique. Ça te prend les tripes, ça te prend la tête, et puis tu pries pour que ça s'arrête. Mais c'est ton corps, c'est pas le ciel, alors tu bouges plus les oreilles. Et là tu cries encore plus fort. Alors on chante. J'aime bien celle-là. Déjà j'aime bien la musique, mais en plus elle est sympa, elle est assez dynamique. Le mapping est assez quand même technique, sans être non plus extrême. Intéressante. Puis seulement quand c'est fini, alors on danse. Alors on danse. Ah! Alors on danse. Le corps est pas encore bien réveillé, hein? Le cerveau non plus d'ailleurs. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Alors on danse. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Eh ben y'en a encore. Sympa celle-là. Alors je rattrape, désolé le chat, hein, c'est compliqué de lire le chat quand c'est comme ça.
Alors, Ocellus, oui, bah, j'essaierai d'en faire. Je pense, j'en fais toujours un petit peu au début. Après, comme il y a du multi demain, je sais qu'il y a déjà Akila Melo. Alors, Agaldian ne vient pas, normalement, enfin, sauf s'il il change d'avis et qu'il veut venir, parce que là, il n'était pas dispo. On verra, normalement, oui, je ferai du custom et un peu de multi, un peu les deux, j'aime bien faire les deux. En général, je commence avec le custom pour m'échauffer, vu que c'est en solo, et après, on passe en multi. Mais à voir, on va selon le monde qu'il y aura, selon. J'adapte au fur et à mesure. Ah, tu me tiens au courant alors, Raptor, pour les maps. Ça marche. Ah ouais, faut se réhabituer, hein, Ocellus, sur Ragnarok. Sur le quest, c'est légèrement différent quand même. La sensibilité, la manière de jouer, moi je la trouve différente. Et j'aime bien d'ailleurs sur quest. D'ailleurs, j'ai même la sensation d'être plus performant sur quest. Mais bon, ça c'est à voir. Drunken. Attends, j'ai regardé ça. Les customs sont en multi aussi maintenant. D'accord. Ah ben ça serait pas mal, Ocellus Contest, ouais. Depuis la mise à jour, en fait, ils ont fait ça, officiellement, pour le multi en custom. C'est magnifique, si c'est le cas. De toute façon, moi, les customs, je vais toutes les mettre, hein, donc c'est vite vu. Hein. Étant sur PC, j'ai pas de limite. D'accord, ah bah écoute, je vais regarder Drunken Dwarf, je vais regarder ça. Comme ça, vu qu'on est dans le sujet, ça me donne des idées. D'accord, bah oui, de toute façon, je joue en privé, hein, donc... Ça marche, alors attends... Je vais voir, tu vas me dire. Ah, si c'est bien écrit. Drunken. Merde. Drunken. On va mettre comme ça, parce que plus t'en mets, plus t'as de chance. Voilà. Et ben voilà. Un peu de Ragnarok. Un peu de brut dans ce monde. Ah oui, effectivement, ouais. Effectivement, je vois le style. Tiens, je vais la faire... un peu de Ragnar. Allez, hop. Je dis Ragnar, ça n'a rien à voir, mais c'est le type de Ragnar en tout cas. Non, en expert. Ah, t'as l'œil. J'y étais vite pour pas que tu vois. Attends, je suis pas chaud. Je tâte le truc d'abord. Ah, c'est très étrange. J'ai l'habitude de la faire dans Ragnar. Ah, excellent. C'est trop bizarre. Ce type de musique dans... Je vais me faire une playlist Ragnarok dans Synth Rider en mettant toutes des musiques. Ça peut être drôle.
trop bizarre de la musique de Ragnar. Je la ferai en maître. Merci. Non, très sympa de pouvoir. Attends, je vais me faire une playlist. Déjà, je la mets dans mes favoris. Et puis ensuite. Qu'est-ce que je voulais faire? Très sympa. C'est Excession en plus. J'aime bien ces maps en général. Et il a aussi. Il a un peu ton style d'ailleurs, plus ou moins. Souvent. Ça m'arrive souvent de jouer du Excession. Comment je voulais faire pour rajouter direct? Je voulais faire une liste de lecture plus. Je vais l'appeler Ragnarok. Et je vais me taper un délire de mettre quand j'ai des musiques qui sont de Ragnar ou dans le même esprit. Les mettre là-dedans. Petit à petit. Ragnarok, voilà. Et celle-là. Ah! Par contre, c'est pas toujours évident. Alors, c'était. Drunken. Toc. Et on va. Comment je vais faire déjà pour l'ajouter? Voilà. C'est bon. Bah moi j'aime bien tout en fait. J'ai des petites préférences mais j'aime bien tout. Donc je suis pas vraiment. C'est ça qui m'éclate, c'est que bah comme je touche un peu à tous les jeux de rythme, j'ai tous les genres, tous les styles, ça me va très bien. Après oui j'ai des trucs que je préfère à d'autres, mais ça me dérange pas surtout dans un jeu. Comme le métal par exemple, c'est pas la musique que j'écoute dans ma vie et en fait ça me va très bien dans Ragnarok. J'ai même tendance des fois à écouter un peu les musiques de Ragnar qui sont emblématiques maintenant pour moi, mais. Mais voilà. D'ailleurs, ouais, c'est pas évident. Ça, c'est, je suis d'accord avec toi. Il y a quelque chose à faire. Il devrait faire une petite coche à chaque côté de la musique, ajouter dans une playlist, et hop, tu choisis ta playlist. Le studio. Un petit coucou au passage. Studio adorable déjà. Ouais, tu vois, tu choisis ta. Moi, je pense qu'il faudrait un truc du style. Tu choisis ta musique. Là, dans les customs, par exemple, tu prends une custom. T'es sur la musique là comme ici, tu devrais avoir une fonction ajouter à la playlist et tu choisis, tu fais ajouter un petit plus, playlist, et tu choisis ta playlist. Et hop. Et c'est facile. Et là par contre, t'es obligé d'aller dans la playlist, ajouter une musique, aller chercher la musique. C'est j'avoue que c'est pas intuitif, exactement. Ouais, après, bon bah comme tu dis, chacun ses goûts, moi je suis pas fermé au style de musique, j'aime tout. Évidemment, hein, pas tout pareil, mais. J'aime tout, voilà. Si je tape Ragnarok, ça fait quoi? Je sais pas, parce que je sais qu'il y a. Est-ce qu'on pourrait avoir un truc Non, rien. C'est vrai, je suis d'accord avec toi. Même si j'écoute via la génération d'avant. Enfin, les dernières générations, quand t'as une petite qui écoute ça, t'es obligé des fois, malheureusement. Ça t'arrive dans les oreilles, merde. Mais non, spontanément, c'est pas moi qui irai l'écouter. Je suis d'accord avec toi, là, pour le coup. Qu'est-ce que je voulais dire? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait chercher comme musique? Excession, il fait des très bonnes maps et musiques. Enfin, du coup, maps, on va dire. Il en fait un paquet aussi, hein. Il arrête pas. Hein. Moi, je fasse une playlist avec Session aussi. Parce qu'il fait de la bonne musique qui. Enfin, il choisit des bonnes musiques et en plus, il fait des maps sympas. Je voulais voir dans. C'était quoi déjà le groupe dans Ragnarok? Par exemple, Gloryhammer, c'est le dernier qu'ils ont mis. Je suis pas sûr qu'on en trouve, mais on va essayer. Je vais taper Glory pour avoir plus de chance. Ah oui, il y a du Glory Hammer. Ah oui. Excellent. Ben voilà, du Ragnar.
Break Free. Je ne crois pas. Je vais regarder ça. Hello Iron Man. C'est du spam. Allez. Alors, comment je l'ai? Alors tu vois, là je veux l'ajouter à ma playlist. Harry Maroc. Ajouter musique. Voilà, ça me ramène là. Donc là, il faut que je fasse. Ah, c'est pas. Je remets Glory. Là, c'est vrai qu'il y a un effort à faire. Voilà, ça l'a mise. Je remets là, ajouter de musique. Alors peut-être qu'il y a une autre manip, hein, je sais pas, mais je remets Glory. Je vais me faire une vraie playlist Ragna. Je la mettrai à dispo pour ceux qui veulent. Je la mettrai dans le Discord quand je l'aurai. Je vais la créer après sur. Ah ouais, en fait c'est plus facile de faire sur le site. Après tu télécharges la, tu l'installes et c'est réglé. Ah non mais Ocellus on s'en fout, le ban de toute façon, les replays de mes Twitch sont sur, c'est pas pour rien je les enregistre, et ils repassent sur YouTube sur ma chaîne secondaire parce qu'autrement t'as plus de son. Hein. Y a pas besoin de celle-là, hein, y en a plein d'autres. Hop, voilà, allez, on va rester dans le thème Ragnarok aujourd'hui. Ah, tu parles du ban des mecs qui fait la pub pour acheter des... Ah ouais. Bouge pas, je vais voir si j'arrive à le bannir direct. C'est pas facile depuis le... J'ai pas beaucoup de possibilités. Attends, je vais faire supprimer le message. On va faire bannir. Hop, attention, bannir. Est-ce que ça marche? Voilà. J'en ai des modos, mais c'est les modos, ils sont RTT. Voilà, bah tu vois, je l'ai fait. Ouais, de toute façon, il va falloir que je mette au point, parce que voilà, ouais, c'est vrai que avec le casque, c'est pas facile. Là, j'arrive, hein, mais bon, c'est un peu laborieux pour arriver à bannir ou à faire de la modération. Bon, après, j'en ai pas trop, hein, c'est assez rare, donc c'est vrai que pour l'instant, je suis pas. J'ai de la chance, j'ai pas encore trop de trucs comme ça, donc ça arrive, hein, mais bon, c'est pas non plus tous les jours et tout le temps. Alors, on va partir un petit peu du Ragna. Bon, là, il me laisse pas le choix, d'ailleurs. Ah, je mettrai, ouais. Je mettrai tout ça, je créerai des playlists sur le site. Ah, ça, c'est la map horreur. J'ai pas testé les nouvelles maps que j'ai téléchargées ce matin. Wow. Positionne pour demain. Pour Ragnarok. Pas vrai. Oh.
Non, je t'ai pas vu arriver. Ah, merci Toxic pour le raid et bienvenue. Pour une fois, je suis tombé pile au moment où entre deux musiques, ça, j'ai pu voir. Bienvenue à tous. Un peu de sport ce matin. Comment vas-tu Toxic? Et merci pour ton raid. Merci beaucoup. Bienvenue. Donc je suis sur Synthrider, un jeu de rythme en VR. Avec des musiques de Ragnarok. Tout fout le camp. Eh ben, c'est une attaque. Merci Zéphirin. Bienvenue et merci pour ton raid aussi. Tout le monde s'en va en fait, c'est ça? Vous avez tous fini, vous avez mangé, il n'y a que moi qui reste. Bienvenue à tous et merci. Merci Zéphirin, bienvenue. Merci pour ton raid et bienvenue à toi. Et à tous tes viewers, ainsi que Toxic, juste avant toi. Bah, venez seulement, avec grand plaisir. D'accord, bah c'est cool. Bah, merci à tous les deux en tout cas. C'est très sympa à vous. Je viendrai voir ta chaîne aussi, ainsi que Toxic, je connaissais, j'avais déjà vu, je crois. Merci pour ton follow, évidemment, merci. Très sympa, je viendrai vous voir de toute façon. Là, je suis dans le casque, je peux pas faire grand-chose, mais pour vos chaînes mutuelles, hein, évidemment, faut que je mette au point un système, parce que pour moi, c'est moins pratique, hein. Je suis pas facecam, donc j'ai pas de code, j'ai encore plus... Je suis encore un petit peu amateur sur tout ce qui est Twitch, hein, venant de YouTube. Enfin, je suis sur YouTube aussi, mais voilà. Donc, j'ai encore pas tous les petits trucs à régler sur Twitch, mais ça viendra pour que vous puissiez voir votre chaîne. Donc, n'hésitez pas hein, à aller voir leur chaîne aussi. Ok, bah cool. Bah écoute, c'est intéressant. C'est intéressant. Avec grand plaisir, bah, je passerai. Dès que j'ai fini le stream, je viens sur ta chaîne pour le follow, évidemment. Tout comme Toxic. Mais Toxic, il me semble que j'étais déjà, mais je vais vérifier parce que des fois je perds le. Je ne sais plus. En tout cas, merci à vous deux et bienvenue. Bienvenue. Voilà, moi c'est spécialité, c'est la VR. La réalité virtuelle. Là, particulièrement sur le sport. Mon émission est basée sur le sport. Pour se divertir et bouger. Sur des jeux de rythme, donc aujourd'hui c'est Synthrider, le mardi, le lundi je suis Beat Saber, plus connu hein, du grand public, et demain c'est Ragnarok, Viking, voilà, c'est trois jeux de rythme que j'ai sélectionnés, il y en a plein d'autres, mais voilà, c'est... et puis je fais plein d'autres choses aussi, hein, donc tout ce qui est dans la VR en fait. Donc si vous avez des questions, je suis dispo, c'est avec grand plaisir, et si vous voulez venir jouer, vous venez. Voilà, on peut jouer en multijoueur. Là, aujourd'hui, c'est un peu spécial. Je fais du custom, donc des musiques qui ont été rajoutées. Je fais mes playlists en même temps, là. Je fais ma cuisine. Donc, eh ben, écoute, un jour, si tu as l'occasion, hein, viens jouer avec grand plaisir. Hein.
Il y a la bande de fous furieux en général qui est là. Aujourd'hui, c'est calme. Aujourd'hui, on est en mode, on regarde un petit peu. Mais d'habitude, c'est un petit peu le grand n'importe quoi. Mais on s'éclate, voilà. C'est l'objectif, se détendre et bouger. Donc, vous êtes les bienvenus si vous voulez venir jouer, que ce soit Beat Saber le lundi, Synth Rider le mardi et Ragnarok le mercredi. Voilà pour le programme. Et puis, évidemment, il y a toujours des... Je ne suis pas complètement fermé sur ces jeux-là. Là, j'ai établi ça. Mais en fait, je fais pas mal d'autres choses aussi sur tout ce qui est RVR, en fait, en général. Là, j'ai juste spécialisé pour le midi mon émission pour le sport. D'ailleurs, je suis en train de mettre des musiques de Ragnarok. Enfin, pas de Ragnarok, mais qui sont dans Ragnarok. Qui est un jeu basé sur l'esprit viking, qui n'a rien à voir, en fait, mais qui a un autre style, que je ferai demain. On va faire un peu de Raptor, du coup. Maintenant, je suis un peu plus chaud. Raptor, tu me conseilles laquelle? Donc, Raptor qui fait des maps. Sur Synth Rider, des magnifiques maps, mais très costauds. C'est pour ça, là, je suis un peu plus en température. Ah bah, c'est obligé que je fasse du Raptor, excuse-moi. Hein. T'as qu'à pas faire des maps. On se taquine. Swing Break, ok. Bah, bon appétit, Ocellus. Bon appétit. Ouais, fais-moi mal, vas-y, alors, attends. Tu m'as dit... Swing Break. Alors, comment c'est classé, là? Est-ce que c'est pas par ordre alphabétique? On va voir si ma playlist, elle est juste, hein, si j'ai tout mis dedans. C'est moi qui l'ai faite, la playlist. Non, j'ai peut-être oublié, parce que j'ai fait dans le moteur de recherche. Ah, voilà, c'est celle-là. Elle est nouvelle, celle-là? Ah, elle est pas nouvelle là, mais je sais pas, j'ai pas dû la faire souvent celle-là. Allez, souffrons. C'est parti. Donc, carte aléatoire. Mode maître. Facile, ouais. Tu dis quoi, facile un an ou facile? Non, j'ai compris. Allez hop, là je suis sur une map aléatoire, donc là c'est celle d'origine. Well, the purpose of a party is to have fun together. And a successful party needs planning and skills. Whether it's a special carnival designed for gay entertainment or a game party in a home, they all take. Alors, posez vos questions si vous avez des questions. Peu importe. Le temps que je fasse ma partie, en plus ça dure 4 minutes. Plan that party around a purpose. Ah, j'ai jamais fait celle-là. Ah non. Ah, j'adore. J'ai jamais fait celle-là. Comment c'est possible? On n'a pas de souvenir. Ah, juste à la fin. Ah.
Ah, oh, je l'ai raté. Ah zut. Non. Ah, c'est pas vrai. Ah. Excellente. Franchement top. Ah, j'ai beaucoup aimé. Un peu difficile, mais comme toujours. Ah ouais. J'irais presque. Je la mettrais dans mes préférés. Déjà pour la musique, j'aime bien. Particulièrement. Il y a aussi ça qui compte. D'ailleurs, elle est dans ma liste de lecture. Mais je note. Ouh. Alors. Allez, j'ai encore 20 minutes. Donc, pour info, on joue souvent en multi. Hein. Là, c'est exceptionnel aujourd'hui. L'équipe est un petit peu, on va dire, hors d'usage aujourd'hui. C'est cette semaine même, je dirais. Mais n'hésitez pas, si un jour vous voulez venir jouer, c'est avec grand plaisir. Il y a suffisamment, je prends l'exemple de ce jeu, il y a 10 places pour jouer en multi, donc on est large. C'est rare qu'on ait encore rempli. Après, il y a des salons et publics, donc il peut y avoir des gens qui viennent de partout. C'est ça aussi qui est sympa. Une fois Amérique, etc. J'ai eu du Taïwan, j'ai eu de partout. Australie, Angleterre, enfin bref, ça vient un peu de partout. Mais c'est très sympa, et puis en général, il y a une bonne ambiance. Donc n'hésitez pas, si un jour vous voulez venir, le mardi c'est Synth Rider, et le mercredi c'est Arena, et lundi Beat Saber. Voilà, et toujours en multi en général, sauf cas particuliers comme là. Mais comme j'ai dit, hein, s'il y en a qui veulent jouer en multi, on peut partir en multi. Bon là c'est un peu tard aujourd'hui, mais c'est faisable. Ouh, ça m'a bien... Voilà. Donc là je suis sur ma playlist. Playlist que j'ai créée ce matin, la Raptor, sur le site. Ça, je l'adore, mais elle est tellement dure. Le jour où je la maîtriserai. Pas comme toi, hein. Toi, tu l'as faite. Franchement, un chapeau, même si c'est toi qui as créé la map, c'est pas évident là, d'arriver à la faire. Ouais, celle-là, elle est pas mal aussi. Ouais, c'est pour boycotter, c'est pour faire un bizutage en général que j'utilise.
Alors deux secondes, je risque que ça arrête de planter. On va voir. Parce que du coup. Ah bah voilà. Ce qui devait arriver arriva. Voilà, le fait de bouger mon casque, ça l'a fait planter. Vous inquiétez pas, ça va revenir rapidement. C'est une question de reboot. Le logiciel Oculus qui reboot, c'est parti. Vas-y, hein, fais ta vie. Le fait juste, voilà, quand je fais ça. Bon, il va repartir. Hein. Voilà. Il me le fait de temps en temps. Il est au bout de sa vie. Alors, ça c'est fait. Je remets le chat, du coup. Hein, parce que je l'ai perdu. Ouais, moi j'aime bien me bizuter souvent. Je me fais la surprise. Je me surprends moi-même. Je me fais des blagues. Oui, alors Raptor, tu te rates, oui, mais pas comme moi. Non, mais il faut dire quand même que c'est des niveaux assez élevés. Donc ceux qui ne connaissent pas Synth Rider, ne vous inquiétez pas, il y a tous les niveaux. Hein. Ne paniquez pas, il y en a pour tous les niveaux. Là, on est vraiment sur des niveaux élevés du jeu. Mais vous pouvez vraiment choisir. Alors, hormis les customs qui sont un peu particulières, puisque les customs c'est imposé souvent. Oui, c'est sûr que ça compte. Non, non, mais c'est clair. Mais aussi, t'as un certain talent pour le jeu qui fait qu'on a tous des affinités sur un jeu plus qu'un autre. C'est pas donné à tout le monde non plus. Mais voilà, quand on adore un jeu, de toute façon, ça aide. Hein. Il y en a qui sont à fond dans un jeu, bah du coup, voilà, ils sont meilleurs aussi. Moi, malheureusement, j'essaie de toucher à tout. Et du coup, je suis pas le meilleur dans les jeux parce que bah, je suis un peu je suis polyvalent. Mais voilà, il n'y a que Ragnarok où j'essaye d'être un peu plus performant, mais et encore. Bah, parce que tu y joues pas, hein, parce que je pense que si tu es bon dans un jeu de rythme comme celui-ci, tu devrais Beat Saber. Alors, c'est vrai que c'est pas les mêmes mouvements, mais ça devrait te donner un petit avantage aussi pour progresser plus vite. Bah écoute, moi Beat Saber, si tu veux, c'est mon... J'adore Beat Saber, de toute façon tous les jeux de rythme, j'aime ça. Beat Saber, c'est celui que j'ai le moins avec lequel j'ai le moins d'affinité. Bizarrement. Par contre, c'est vrai que je me régale avec les customs, là récemment, qui... Pareil, que j'ai installé, mais qui maintenant, il y a tout à sauter, il faut que je remette tout. Mais voilà. Bah, tous ils sont... Oh, regarde, Synth Rider, il a son style. Il est le précurseur dans son domaine, dans ce style de gameplay. Parce qu'il y a eu plein de clones de Synth Rider. Synth Rider, c'est un des premiers. Beat Saber a aussi été un des premiers. Et bon, Ragnarok n'a rien à voir, puisque lui, il est arrivé sur la fin, c'est un des derniers. Mais il a son style complètement à lui, qui est complètement décalé par rapport aux autres jeux de rythme, ce qui fait aussi son charme, justement. Bah, c'est pas vraiment la même chose. Après, on pourrait faire un jour un débat là-dessus, hein, sur les jeux de rythme, etc. Parce que bon, c'est un peu... C'est pas ma spécialité, mais c'est devenu quelque chose que je fais beaucoup. Donc... Ils ont chacun un petit peu leur manière. C'est pour ça que moi, j'utilise trois jeux pour faire mon sport personnellement, déjà, comme je l'ai expliqué. Donc, ça me permet de bouger différemment, pas prendre toujours les mêmes positions et les mêmes, mêmes styles. Si tu fais du Ragnarok, tu fais certains mouvements réguliers. Si tu fais Synth Rider, tu bouges plus le corps en général. Beat Saber, tu bouges plus les bras dans ce sens-là. Donc, ils ont chacun leur manière. Après, l'affinité et le gameplay, c'est subjectif. C'est-à-dire que je comprends tout à fait que quelqu'un préfère Beat Saber à Synth Rider ou Ragnarok à Beat Saber, peu importe. Ça, c'est une question de goût, mais après, ils ont chacun leur particularité, chacun leur style et leur qualité. Mais bon, c'est un débat à faire un jour. On prendra un spécialiste de chaque, ça va fighter. Un pro Beat Saber, un pro Synth Rider, un pro Ragnarok. Et ça va finir à se balancer des marteaux et des boules au visage. Non, je rigole. Mais non, on fait ça dans la bonne humeur et on est là, on n'est pas là pour... voilà, c'est juste... moi, perso, tu vois, voilà, j'ai les trois, je me régale sur les trois. J'ai des préférences, évidemment, par rapport à des styles de musique ou à de gameplay. Mais les trois, ils ont tous leurs qualités et leurs défauts, évidemment. Mais c'est des jeux de toute façon... qui sont au top dans le style, dans le style de la catégorie des jeux de rythme. Il y en a d'autres, hein. Il y en a plein d'autres qui sont très bons d'ailleurs. Hein. Ceci dit, je ne vais pas stigmatiser les autres. Je prends un Pistol Wipe ou plein d'autres qui sont excellents aussi dans leur genre. Mais j'avais privilégié, comme je vous l'ai dit, les jeux multi.
pour jouer à l'interactivité avec vous sur les streams. C'est la priorité que j'avais. Donc là, c'est pas un bon exemple aujourd'hui puisque je joue en solo, mais c'est assez rare en général que je joue en solo sur mes streams. Et évidemment, tous ceux qui veulent venir sont les bienvenus, dans la bonne humeur évidemment et le respect. On n'est pas là pour se fighter ni pour voilà, on essaye de se détendre et de bouger. Ouais, j'ai pas réessayé la toute dernière map là de Pistol Wipe, il faut que je m'y mette. D'ailleurs, c'est un stream que je ferai comme ça un peu sauvage parce que là j'ai implémenté sur mon programme des streams, disons, fixes, comme cela. Mais après, c'est pour ça, ceux qui veulent follow, ça vous permettra d'être prévenu, parce qu'il y a plein de streams que je peux faire comme ça, ce que j'appelle stream sauvage, pas prévu, parce que j'ai un petit créneau, j'essaye un jeu ou je fais un test. Parfois, je fais des tests sur Twitch pour YouTube, parce que comme je suis sur YouTube aussi, je m'entraîne sur Twitch et j'en fais profiter en même temps pour découvrir aux gens les jeux que je teste, parfois, quand je peux. Mais il y aura de plus en plus. Là, je réfléchis à un autre concept. Vous allez voir, peut-être fin de semaine, c'est pas encore sûr. Ou qui n'a rien à voir avec ce que je fais là. Hein. Toujours dans la VR, évidemment. Mais comme je programme mes jeux, peut-être que je ferai des coulisses. Et on pourra choisir ensemble. Je programme pour la semaine prochaine. Me montrer comment je fonctionne pour mes recherches, etc. Et les jeux, comment je. Voilà, la liste des jeux. Pour mon programme de la semaine d'après. La recherche que je fais en offline. Je vais me permettre comme ça de partager avec vous et avoir des idées, échanger peut-être sur des jeux que je pourrais faire les prochains streams. Pour avoir plus de transparence et plus d'interaction et être plus précis, c'est-à-dire par avoir, on peut choisir ensemble, en tout cas guider ensemble sur des jeux. Bref, en tout cas, je pourrais faire une émission totale d'une soirée sur les jeux de rythme, il y en a tellement. Je les ai pas exclus les autres, hein. Encore une fois, c'est pas parce que celui-ci, je trouve, c'est vraiment des critères que j'ai donnés, que j'ai déjà expliqués. Il y a énormément de jeux de rythme et qui sont excellents, pardon, il y a beaucoup qui sont très bons et à part quelques-uns qu'on pourrait dire soit c'est des clones vraiment qui apportent rien, mais il y a vraiment de très bons jeux de rythme hormis ceux que je fais là, et c'est vraiment parce que souvent ils sont en solo ou en duel ou voilà. Bref, mais c'est un débat à faire, hein. Avec grand plaisir, c'est un concept que j'aime bien, avoir des petits débats, comme j'ai dit, dans le respect, toujours, c'est important, on n'est pas là pour, j'ai la plus grosse, j'ai la meilleure, c'est vraiment pour échanger et apporter des informations à des gens qui, eux, peut-être ne connaissent pas, et peut-être les guider. Parfois, oui, je suis d'accord, Ocellus. Mais parfois, si tu dois choisir des jeux, il faut partir du principe que pas tout le monde ne peut acheter tous les jeux. Moi, je suis dans un domaine où c'est mon métier, où je touche un peu à tous les jeux, parfois j'arrive à les avoir par les studios, parfois pas, hein, souvent même, de plus en plus, mais c'est pas encore la majorité, donc il y a des gens qui doivent faire un choix, ils n'ont pas les moyens d'acheter tous les jeux, et ils doivent choisir un jeu, par exemple il y a des jeux de rythme, certains se ressemblent, donc c'est bien de pouvoir les guider, de leur dire, voilà, puis après ils choisissent par rapport aux critères qu'ils ont. Attends. Tu as le syndrome à Galdian, toi, attention, ça, c'est pas bon ça. Il n'est pas là aujourd'hui, mais... Tu poses la question à qui, Ocellus ? À Raptor ? À moi ? Bah mon job, tu vois, vu le temps que je passe, c'est principalement entre le stream et la VR. Aujourd'hui. Je suis en train de... Pour moi, c'est devenu professionnel, entre guillemets. Alors, fini. Ne vous inquiétez pas, je ne vis pas du stream encore, hein, loin de là, très très loin de là. À la limite, je me paye un café avec dans le stream. C'est pas le, mais voilà, je construis un concept autour de ça. Ça prend du temps. Et à la base, je suis graphiste, infographiste de métier. Donc voilà, tu sais tout. Tu sais tout. Mon métier, je l'ai exercé pendant pas mal d'années. Je voulais changer. Donc le métier de graphiste m'a un petit peu saoulé. Je le fais que pour moi ou pour des amis. Quand j'ai besoin, voilà, au cas par cas, peut-être pour des choses plus ciblées YouTube, etc. Peut-être je vais me spécialiser là, mais voilà, j'étais dans l'édition pendant pas mal d'années, donc voilà. Et maintenant je suis dans la VR à fond et je construis mon concept sur la VR. Donc ça, il n'y a pas que le stream, hein, dans la VR. Il y a des ateliers sur place, il y a du consulting, il y a plein de choses.
Bah écoute, n'hésite pas si à voir. Pour l'instant, je suis en train de construire tout ça, c'est énormissime, les réseaux sociaux, etc. Donc n'hésitez pas à follow, à partager, ça me soutient et ça me permet de me développer. C'est titanesque pour pouvoir faire un métier dans ce domaine. Comme j'ai dit, c'est pas le stream uniquement, hein, c'est la VR pour moi. Mon métier aujourd'hui, c'est la VR, la réalité virtuelle, et je vais en faire mon métier final. Voilà, j'ai déjà un certain âge, donc je suis plus dans la carrière ou quoi que ce soit, mais je veux vivre de ma passion. C'est très complexe, mais c'est un défi, et bah voilà, je suis là, j'essaye de vous faire partager ma passion, de vous guider pour ceux qui ne connaissent pas la VR. J'essaye au mieux de pouvoir vous donner des informations, donc n'hésitez pas, par mon expérience, parce que je ne connais pas tout, je ne suis pas non plus un expert, j'ai une expérience de la VR depuis des années, je peux vous guider à mon niveau, moi et d'autres hein, d'ailleurs, parce qu'on est dans le Discord, on a une équipe, et il y a plein de gens qui connaissent très bien, ce qui est très bien, c'est qu'on partage, et c'est ça qui est génial. Les spécialistes de Beat Saber, par exemple, viennent aider les autres qui connaissent, de Synth Rider, pareil, donc voilà, j'aime cet échange, c'est comme ça que voilà, on a une qualité, que ce soit dans le Discord ou dans les réseaux sociaux, c'est les bons côtés des réseaux sociaux, où on peut partager dans la bonne humeur, c'est toujours le respect, c'est les bases. Et voilà, chacun vient apporter ses connaissances et les partage pour aider les autres. C'est ma philosophie. Et moi, je suis là aussi, voilà, pour essayer de vivre de ma passion et aider les gens qui sont qui voudraient se lancer dans la VR, qui voudraient connaître certains jeux, ils connaissent pas. C'est pour ça que je fais des tests, que je fais des lives, que je fais voilà, vous faire découvrir des jeux comme j'ai fait hier soir avec Red Matter, un jeu qui est sorti en 2018. Et que beaucoup de gens ne connaissaient pas, donc qui est un excellent jeu. Et voilà, c'est typiquement mon rôle pour essayer de vous faire connaître des choses que Monsieur Tout-le-Monde ne ferait pas forcément, n'irait pas chercher. Et comme ça vous permet de vous guider au maximum. Dans les jeux de sport ici, mon objectif, hein, en collaborant avec un... Vous avez vu peut-être une émission que j'ai faite, c'était la semaine dernière sur ETR, avec un vrai coach sportif diplômé, on veut essayer de... d'arriver à fusionner la réalité virtuelle avec le sport, c'est mon objectif aussi. Développer cette partie-là, ce que je fais le midi, là, c'est pas du sport en tant que coaching ni quoi que ce soit, c'est juste pour motiver les gens à venir bouger, puisque malgré tout, ces jeux de rythme restent des jeux de sport. Et l'essentiel, c'est de bouger. C'est la base, on n'a pas besoin de faire 12 heures de sport par jour. L'important, c'est d'être régulier. Si vous venez tous les jours à un stream, comme je fais par exemple 3 fois par semaine pour l'instant, vous allez voir que déjà ça va vous faire du bien et que à défaut de pas pouvoir faire de sport à côté ou peu, ça vous aidera à rester en forme et c'est important. Écoute, Ocellus, si moi je peux pas le faire parce que je manque de temps et que selon le projet que tu as à faire, je peux pas consacrer trop de temps, je pourrais peut-être t'aider, mais on en discutera en privé dans le Discord ou autre. Je connais des gens, donc je peux t'aiguiller sur des graphistes, puisque c'est dans mon réseau graphiste, si tu veux, voilà, j'ai un réseau de graphistes autour de moi que je connais, donc ayant travaillé des années là-dedans, c'est construit naturellement. Et Raptor, toi, t'es graphiste aussi, tu m'avais dit? Parce que, attends, j'étais enfin dans... Parce que en plus, graphiste... C'est un mot, on va dire, général, parce qu'on est graphiste, on est tous spécialisés dans quelque chose. Moi, comme j'ai dit, j'étais dans l'édition, donc pas le truc à la mode. Vous savez, les trucs avec le papier, un peu de web, etc. Mais voilà, j'ai beaucoup travaillé sur la technique, sur les couleurs, etc. Mais l'impression principalement. Donc moi, je suis pas un graphiste ni 3D, ni dans le... Comment dire? Le web, oui, il n'y a rien de compliqué pour moi d'en faire des visuels, mais puisque c'est juste un dérivé de l'autre, avec juste quelques techniques différentes, mais d'accord. Ah bah c'est génial. C'est génial. Excellent, excellent. Ah bah il faut que tu me fasses voir ça, Raptor. Excellent. Moi j'adore le montage vidéo, mais je suis un amateur en montage vidéo. Je fais mes vidéos voilà, en tant qu'autodidacte, et écoute, si t'as des conseils, n'hésite pas. Je sais pas si t'étais venu dans le Discord, n'hésite pas une fois, comme ça on a des occasions de discuter plus facilement, en vocal et autres, hein, je suis souvent dispo là-bas. Quand je travaille devant mon ordi, je suis souvent dans le Discord, donc
si vous voyez que je suis là, etc., vous pouvez venir me dire bonjour d'ici des questions. Je suis là aussi pour ça, je fais une sorte de présence, moi ou Yajiminus, le mien. Donc tu trouves de lien dans la... Si tu regardes dans... J'ai essayé de faire ça bien, hein, mais c'est compliqué. Dans la description de ma page, de ma chaîne, tu verras, il y a un Discord. Tu cliques dessus, ça t'invite directement. Dans, tu sais, dans la description de la chaîne où tu as toutes les infos. Tu as un truc Discord et si tu cliques dessus, tu viens direct sur mon Discord. Voilà. Et pareil pour les autres, la chaîne YouTube ou autre, etc. N'hésitez pas. Je fais des choses différentes sur YouTube. Toujours dans la VR, hein, mais plein de... comment dire ? Là, je me tape la disco. Je fais ma pub, là ! Ah ! Donc, bah, cool, Raptor. Comme ça, on pourra discuter. Et si tu veux t'occuper... J'ai une section spéciale SinSrider. Donc, si tu veux être le spécialiste de SinSrider... à mettre des infos, apporter des trucs, n'hésite pas, c'est avec grand plaisir. J'ai fait une session Beat Saber, SinSrider et Ragnarok. Chaque spécialiste peut venir poster ses trucs, ses infos, ses trucs. N'hésite pas. C'est avec grand plaisir de partager si tu as des choses, même tes playlists ou n'importe quoi. Tu es le bienvenu et tous ceux qui peuvent apporter à partager des choses pour les autres, c'est vraiment. Enfin, moi, je trouve que c'est, voilà, c'est la meilleure chose. On est là pour partager et. Et essayer de voilà, s'entraider, on va dire. Alors, ok, bah, Ocellus, on en reparlera, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça marche. Après, tu sais, comme j'ai dit, graphiste, c'est un mot très généraliste. Aujourd'hui, on me dit graphiste, ça veut... il y a beaucoup de domaines, c'est comme quand tu dis développeur, c'est comme quand tu dis il y a des métiers où il y a des branches qui partent dans tous les sens et un graphiste 3D fera pas, il y aura des bases en commun, mais un graphiste 3D fera pas du tout le même travail qu'un graphiste comme moi dans l'édition ou un graphiste spécialisé web ou voilà, même s'il y a des choses qui sont en commun évidemment, mais la manière de travailler ou certains logiciels sont spécifiques à des domaines, par exemple moi tu prends l'exemple de Raptor, comme il dit, il est graphiste, mais moi, je n'utilise pas After Effects, je n'utilise pas. On a Photoshop en commun, effectivement. Ni Adobe Premiere, que je connais, etc. Je les connais comme ça, de loin, parce que je suis curieux et que ça m'intéresse. Mais je ne suis pas du tout formé là-dessus. Je suis autodidacte sur le montage vidéo. Hein, donc, comme je l'ai dit, hein, mes vidéos, je les fais moi-même, mais tout ce qui est YouTube, etc. Mais bah, j'adore ça, donc voilà, je me régale. Mais après, je reste entre guillemets, un amateur et. Mais voilà, c'est pour ça que c'est complexe quand on dit je suis graphiste ou je suis développeur. Ou faut bien, on a des branches toutes vraiment très spécialisées souvent. Même des fois encore plus spécialisées dans des trucs de dingue où on fait qu'un truc. Donc voilà. Ok, bah Illustrator, je l'ai pas mal utilisé il y a longtemps, maintenant beaucoup moins. Je l'utilise pour faire des logos, moi personnellement, création de logos, etc. Enfin, à la base, c'était son rôle. Hein. Il y avait Illustrator pour faire les logos, Photoshop pour la retouche photo. Maintenant, tout se mélange avec les mises à jour, etc. Comment tout fusionne un petit peu. On peut un peu tout faire dans chaque logiciel. À l'époque, c'était pas du tout ça. Quand j'ai commencé, je suis un vieux graphiste. Je raconte ma vie, là, en fait. Je suis en train de raconter ma vie. Bref, voilà. Mais avec grand plaisir d'échanger avec vous tous quand vous voulez. Le Discord, c'est pour l'instant le meilleur moyen parce que c'est plus accessible. Donc, n'hésitez pas, ceux qui veulent venir, posez vos questions, discutez, etc. Il y a une bonne ambiance, on échange. Voilà, ça permet aussi d'être prévenu quand on lance des parties en multi ou des choses comme ça qui ne sont pas forcément en stream. Hein, c'est entre nous. Donc, voilà. On essaye de créer une communauté, rester dans la bonne ambiance surtout parce que je le répète souvent, mais voilà, c'est un peu la base. Ouais. Non, mais écoute, bah, pareil, Raptor, hein, n'hésite pas à venir me contacter si un jour t'as un petit moment et que tu vois que je suis dispo. Je suis dans le café de la VR avec Jiminus en général. Jiminus, c'est le concierge. Vous l'entendez souvent de temps en temps râler derrière moi. M'envoyer une petite. Mais voilà, pareil. Jiminus, si jamais il est dispo, etc., n'hésitez pas. En général, il est là. Il est toujours très serviable et si vous avez des questions, il sera aussi là pour vous répondre. Voilà, un petit coucou à Jiminus au passage, et qui est souvent derrière dans les coulisses. Et qui souvent me fait mécène, hein. Mécène que vous avez pu voir par-ci, par-là. Donc,
si vous avez des questions par rapport à ça aussi, lui il est plus dans le développement, etc. Donc autre domaine, mais tout aussi, voilà, ça permet vraiment d'échanger plein de choses. Et aussi partager nos compétences personnelles chacun avec les autres, c'est comme ça qu'on avance. Voilà, j'ai fini de raconter ma vie. Désolé pour ceux qui sont arrivés, c'est pas du tout dans le type en général que ce que je fais, donc en général, mais bon, voilà, c'est parti comme ça. Aujourd'hui, c'était mode. Voilà. On a fait du custom, j'ai pas fait de multi aujourd'hui, c'est vraiment exceptionnel, hein, je peux vous dire que. En général, on est toujours sur du multi. Demain, ça sera Ragnarok. Donc Ragnarok, un jeu de rythme qui n'a rien à voir avec celui-ci. Très ambiance métal, viking, mais vraiment, moi, c'est vraiment un de mes chouchous, hein, désolé. Pour ceux qui... ça veut pas dire, hein, celui-ci, j'aime aussi Saber, mais voilà, Ragnarok, c'est mon chouchou. Et donc, ça sera demain. En plus, il y a le nouveau DLC qui est arrivé, donc qui s'appelle le Raid sur Gloryhammer. Donc, musique très métal, rock, mais même si on n'aime pas, c'est moi qui suis pas du tout métal, rock, bah, je m'éclate, voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Bah, il a été gagné hier, donc félicitations à Terry, j'espère qu'il nous rejoindra prochainement, voilà, qui a gagné sur Quest. Il y a des jeux de temps en temps à gagner, j'en ai quelques-uns qui sont dans la liste, hein, je rappelle. Donc n'hésitez pas à suivre voilà, la suite demain, Ragnarok. Aujourd'hui, à moins d'un stream sauvage, ce qui peut arriver, hein, je vous prépare la suite. Et autrement, rendez-vous demain midi. Et demain soir sur ETR, ça sera Beat Saber, donc sur la grosse chaîne Twitch, la chaîne où il y a Web TV, où je suis à 20h, où je ferai du Beat Saber demain. Ça marche, Raptor, et merci. Et merci pour ta contribution aussi pour le jeu. Voilà. N'hésitez pas à aller le voir aussi, parce que c'est un des mappeurs, des maps que vous avez vu là, qui bosse dur sur des maps comme ça, pour notre plaisir et notre souffrance aussi. Faut le dire ce qui est. Hein. Mais on aime souffrir ici, donc voilà, c'est pas un problème. Voilà, merci à toi, merci au Célus, merci à tous ceux qui ont fait les raids tout à l'heure. Je vais passer sur les chaînes respectives parce que voilà, je vais venir vous voir. Et puis encore mille merci pour les follow et d'avoir été présents, même ceux qui n'ont pas communiqué. Merci à vous. Et je vous dis à demain, même endroit, même heure. Ragnarok, jeu de rythme aussi pour le sport. On bouge. On bouge sa VR, comme on dit, et puis, voilà, dans l'esprit viking. Merci Toxic, et encore merci, hein. Et puis, au grand plaisir. J'espère que bon, on aura l'occasion de partager, vous pourrez venir jouer, etc. Ça serait avec grand plaisir. A ciao tout le monde, passez un bon après-midi. Moi, je vous dis à demain, et à très bientôt. Bye bye. Hey viewer, t'es toujours là ? Alors si tu as kiffé Virtual Moins Gros transpiré comme un buffle en chaleur, tu peux le suivre partout sur ses réseaux sociaux, YouTube, Twitch, Amstramgram et sur tous les autres. Alors clique partout sur ses réseaux sociaux et le Virtual Moins Gros, il sera content. Allez, à très vite pour de nouvelles vidéos.